Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo repère. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le circuit d'Oulton. Je vais vous donner les conditions de piste. Ne vous fiez pas au dashboard qu'il y aura dans la vue onboard VR. Tout simplement parce que j'ai d'abord essayé le stint de faire un stint en agressif. Donc j'ai fait petite vingtaine de tours. Sauf que dans mon simu j'étais beaucoup trop secoué, ça n'allait pas du tout, j'avais du mal à descendre en dessous de 34,7, ce qui est pas folichon. Du coup, vers 20 tours à peu près, je suis rentré au pit, j'ai essayé de faire un petit réglage pour que la voiture soit un peu plus confortable et un peu mieux. Et ça allait d'ailleurs tout de suite mieux, donc j'ai tourné assez facilement en 33,8, 33,7, 33,9, c'était les tours réguliers, sauf que j'ai invalidé les 7 tours avant le tour que je vous présente. Donc vous verrez sur le dashboard que le tour que je fais, je gagne plus d'une demi-seconde, ben, tout simplement parce qu'en fait, j'arrêtais pas d'enchaîner des tours invalidés. Alors c'est surtout au premier virage que j'ai invalidé et au dernier. Donc je vous montrerai un petit peu les limites de piste. Donc les conditions, pour le coup, sur ce stint, je suis à mon 15e tour. Ça fait donc 24 minutes que je roule. J'étais parti avec 62 litres, vous savez les 62 litres que le jeu nous met de base. Donc j'ai dit un tour en 1,33,8 et la piste est à 33 degrés. Mes pneus sont corrects. Le train arrière, mon réglage est pas terrible, terrible. J'ai un peu beaucoup de survirage, mais ça se maîtrise. Ah, et bien on est parti. Alors premier point de freinage, j'ai mis du temps à le trouver. J'ai fini par le trouver quand j'ai vu que je le passais bien. J'ai regardé la vue hélicoptère. En fait tout simplement, je freine juste à l'entrée de ce grillage là, vous voyez, le poteau, le montant là qui tient un grillage haut, ben, c'est le point de freinage que j'utilise. Donc je freine ici, je descends en 3. Je rate la corde, mais il faut pas la rater. L'objectif c'est de venir bah, choper la corde, monter sur le vibreur et éviter de monter vraiment sur l'arête. De toute façon, ici, tous les vibreurs, quasiment les arêtes, faut les éviter parce que ici, en fait, si vous allez vraiment, vraiment au bord. Ici, vous avez l'arête est un peu trop prononcée et ça déséquilibre un petit peu la voiture. Donc, essayez vraiment de passer à ras l'arête, mais pas monter dessus. C'est surtout ici là, la fin qui est pas bonne. Et dès que vous montez sur le vibreur, pardon, vous mettez les gaz et surtout. Et ça m'a coûté très cher. Vos roues droites, vous ne les amenez, je dirais même pas sur la ligne. Faut surtout pas dépasser, ça c'est sûr. Mais limite, j'ai l'impression que si on touche la ligne avec nos roues droites, c'est invalidé. Donc laissez-vous une petite marge et laissez vos roues droites à droite de la ligne. Alors, petite particularité ici. Vous avez pas mal de bosses ici, là, dans cette zone-là. Puis ensuite, après le freinage, il y a une grosse bosse. Donc, dans l'idée, on devrait rester en 4 pour venir faire le frein, sauf que moi, à chaque fois, ça me fait un rupteur. Donc, je passe la 5 un petit peu avant les bosses pour tout de suite freiner et la redescendre, mais ça m'évite d'avoir le rupteur. Et donc, le point de freinage, on va avancer un petit peu. Vous voyez, je suis en 5. Le point de freinage, c'est ces petits panneaux ici, là, enfin, ce grand panneau. Vous voyez, on voit encore là, il y a un creux juste derrière. Essayez de freiner à 50 cm, 1 mètre du bord, pour avoir le creux le plus léger possible, et freiner un petit peu en direction du virage, pas tout droit, parce que sinon vous allez vraiment prendre la bosse, le creux, pardon, et vous allez bloquer vos roues et vous allez sous-virer. Donc essayez un petit peu de vous décaler un petit peu de la ligne et de rentrer un peu dans le virage en freinant. Alors, j'ai été trop loin, on repasse. Hop, voilà. Vous voyez le vibreur, vous avez du noir, noir, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, et ensuite tout rouge. En fait, c'est ça que j'utilise. Le but va être de venir rentrer sur la partie rouge, et au moment où vous rentrez sur la partie rouge, vous remettez les gaz. Ici, là, par contre, on peut sortir vraiment large. Là, on peut monter sur la ligne, normalement, n'est pas validé. Hop. Alors, ce virage-là, il n'y a pas besoin du frein. On va juste lâcher l'accélérateur et éventuellement utiliser le frein moteur en descendant d'une vitesse. Vous avez une autre variante du circuit qui part par ici. En fait, j'utilise le vibreur ici. Je vais lâcher l'accélérateur et tourner au moment où j'arrive sur ce vibreur, tout simplement. Et quand j'arrive sur l'autre vibreur là-bas,
Voilà, juste avant d'arriver sur ce vibreur-là, pour bien faire tourner la voiture et pour pouvoir remettre du gaz juste après, en fait, je descends la catte, ce qui fait que la voiture va vraiment bien s'inscrire. Vous pouvez même passer vos roues de l'autre côté du vibreur ici, ça, c'est, je sais pas, c'est une sorte d'instrutteur. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment couper le virage. Et une fois que vous sentez que vous avez récupéré suffisamment de grip pour remettre les gaz et pas sous-virer, bah, vous remettez les gaz tout simplement. Et le point de freinage, c'est ceci. Vous avez la petite marque orange que j'aime bien hein, sur les rails. Ça, c'est sûr que ça bouge pas. Vous pouvez taper dedans et elle restera là. Donc voilà, le point de freinage, c'est ici. Je dirais même légèrement un petit peu après. Parce qu'en fait, là, vous arrivez sur une épingle où la trajectoire qui serait vraiment pas mal, ce serait une sorte de V arrondi. Et non pas de courbe où on reste bien à la corde. Pour le coup, par sécurité, on peut rester à la corde. Mais si on peut essayer de sortir un petit peu pour mieux. Avoir un peu plus de motricité en sortie et plus de vitesse, ben c'est l'idéal. Pour le coup, moi je vais pas le faire. Donc vous voyez, moi je reste à la corde. L'idéal c'est vraiment de sur le banking de sortir un petit peu plus haut et hop, re-rentrer. Alors ici, ben, si vous êtes à la corde notamment, au moins c'est plus safe. Si vous voyez que vous rentrez un petit peu trop dans la corde, vous mettez un petit peu de gaz, ça va vous faire sous-virer, et à l'inverse, si vous voyez que vous êtes un peu trop rapide et que vous sortez, bah vous lâchez les gaz et votre voiture va rentrer avec le frein moteur. Et dès qu'on peut, on remet les gaz pour sortir le plus vite possible. Alors, nouveau point de repère, point de freinage. Le piquet. Alors j'espère que celui-là il va pas voler en course, sinon bah, on peut éventuellement tout utiliser la petite tache qui est là, mais bon c'est un petit peu moins bien, surtout s'il pleut et qu'il fait nuit. Mais normalement c'est le piquet. Donc la chicane, là, la première chicane, elle est un petit peu spéciale. En fait je vais d'abord freiner en 3 puis en 2 pour arriver au point de corde, relâcher les freins et à nouveau refreiner. Vous allez voir. Là on relâche les freins pour laisser la voiture y aller, et une fois qu'on arrive tout près du point de corde, là on remet un coup de frein pour la faire pivoter. On utilise les freins en fait pour faire pivoter la voiture, et il faut monter. Hop, il faut monter sur le vibreur, mais pas sur l'arête encore une fois, puisque l'arête là ici elle vous déséquilibre vraiment. Donc essayez de monter sur le vibreur sans monter sur l'arête. Et dès qu'on arrive ici, on peut remettre les gaz dès qu'on est sur le vibreur. Point de freinage ici, le panneau 50, tout simplement. Dès qu'on arrive au panneau 50, on descend en 2. Attention ici, il y a un boudin, évitez-le, sinon votre voiture est déséquilibrée. On remet un coup de gaz, on relâche. Et tout de suite, on vient chercher, j'espère que vous le verrez ici, il y a une petite déformation, il y a un petit creux ici sur la piste. Tout de suite, on va dans sa direction, on va chercher le petit creux, et au moment où on arrive sur le petit creux, on lâche l'accélérateur et on tourne dans l'autre sens. Ah, j'ai été un peu trop loin. Voilà. Ici, pareil, vous montez sur le vibreur et vous évitez l'arête. Je me demande si c'est pas l'arête la plus délicate. Si vous montez vraiment un petit peu trop loin sur l'arête, votre voiture elle est complètement déséquilibrée. Vous pouvez même partir carrément en spin. Dès qu'on arrive sur le vibreur, bien sûr, comme la plupart du temps, on remet les gaz. Et par contre, ici, c'est progressif les gaz, sinon vous avez tendance à un petit peu trop sous-virer et sortir large. Et si vous sortez large sur ce vibreur, il est extrêmement agressif au niveau de l'arête. Là par contre vous perdez un temps colossal si vous montez sur l'arête. Hop, alors ici on arrive sur un freinage avant une double corde. Donc le point de freinage, c'est ce panneau. Par contre, ne faites pas l'erreur d'être collé à la ligne, puisque c'est un virage, hein, le freinage est un peu en virage en appui. Essayez de vous mettre presque milieu de piste pour freiner le plus droit possible. Alors de toute façon, vous serez obligé de tourner un petit peu quand même, mais essayez vraiment de freiner avec le volant le plus droit possible. Vous descendez en 3, et dès que vous avez fini votre freinage, vous lâchez l'accélérateur, enfin vous avez déjà lâché l'accélérateur bien sûr, mais vous lâchez le frein et vous laissez la voiture rouler. Là, vous lâchez la voiture rouler, laissez la voiture rouler, et vous essayez de venir chercher ce point de corde. Et dès que vous sentez que vous retrouvez du train avant, parce que vous allez perdre un peu de train avant, dès que vous sentez que vous le retrouvez, vous remettez les gaz, et le but est d'aller chercher le deuxième point de corde plus loin.
Et enfin, dernier freinage. Vous utilisez le petit panneau virage, là, tout simplement, et on descend en deux. Et on prend la corde que je rate. L'objectif, même chose, monter sur le vibreur sans aller chercher l'arête, parce que ici vous avez une petite bosse qui vous déséquilibre. Si votre arrière passe à cet endroit-là, vous êtes quasiment obligé de. Enfin, vous allez corriger, ça c'est sûr, voire vous allez partir en spin. Donc vous montez sur le vibreur, on évite l'arête. Et on est patient avant de remettre les gaz, sinon on s'ouvre et on sort beaucoup trop loin. Ici, et on invalide le tour, ce qui m'est arrivé plusieurs fois aussi à suivre. Bien sûr, c'est comme d'hab, la ligne, faut pas la traverser. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser maintenant avec la vidéo du tour en VR. Ensuite, la vidéo hélicoptère pour que vous ayez les trajectoires, même si elles sont pas tout à fait bonnes. Enfin, je rate 2-3 cordes, mais bon, vous imaginez bien qu'il faut aller chercher les cordes. Et ensuite, la vue casque pour ceux qui sont pas très à l'aise avec la VR. Voilà, et ben écoutez, le pack British est terminé. Les prochains circuits. On ne sait pas encore ce que ce sera, donc on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!